Ce film vient compléter la notice d'utilisation et est destiné à en faciliter la compréhension. Le film ne se substitue pas à la lecture et à la compréhension de la notice d'utilisation. Il ne se substitue pas non plus aux sessions de formation ou aux consignes d'utilisation obligatoires. Si l'appareil est équipé d'une pompe en option, pour activer celle-ci, il vous suffit de visser l'adaptateur de pompe. Pour ce faire, placez l'adaptateur de pompe sur le filetage du capot avant, puis ajustez et serrez. La pompe s'allumera automatiquement. Utilisez toujours l'adaptateur de pompe avec le filtre à eau et à poussière. Le test de la pompe démarre automatiquement. Fermez l'entrée de gaz en pinçant le tuyau à l'extrémité de la sonde jusqu'à la fin du test d'étanchéité. Rouvrez ensuite l'entrée de gaz en relâchant le tuyau. Si le test d'étanchéité réussit, le mode pompe est activé. Si le test d'étanchéité échoue, contrôlez la sonde, le tuyau et l'adaptateur comme requis, puis recommencez le test. Une fois le test réussi, l'appareil est prêt à fonctionner en mode pompe. Avant toute mesure, purgez le tuyau ou la sonde de prélèvement avec le gaz à mesurer. Cette procédure est nécessaire pour réduire les influences négatives, comme le temps d'acheminement du gaz jusqu'au capteur, par exemple. En règle générale, le débit peut être estimé à 3 secondes par mètre pour les gaz standards. Patientez jusqu'à ce que les valeurs à l'écran semblent stables. Cette procédure peut prendre plus de temps avec les gaz spéciaux. Notez qu'après avoir fait circuler des gaz agressifs, il convient de purger la pompe avec de l'air frais pendant plusieurs minutes afin de préserver sa durée de vie. Pour quitter le mode pompe, dévissez et retirez l'adaptateur de pompe. L'appareil passera automatiquement au mode diffusion.